pays, c'est Fresham. Wow, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Je dis, c'est vendredi 28 juin 2024. Déjà, nous souhaitons un très bon vendredi et surtout un très bon début de week-end. Gentil proverbe créole l'an dit, c'est racaille qu'a mangé paille-caille. Compatriotes, pays, c'est Fresham. Premier ministre Gary Conille commence par un baf, commence par un petit tap, nommé parti politique qui gagne un représentant en dedans conseil présidentiel transition, qui pas d'accord avec Jean-Premier ministre Gary Conille avec l'équipe gouvernement là. Déjà fin séparé gâteau et encore, il commence à persécuter des séries de monde qui proches. Sortant de là, et Claude Joseph voye pied, diverses structures politiques qui alliés. Ak aide yo commencé voye pied par rapport avec ça qui a passé dans l'équipe premier ministre Gary Conille. Yo l'autre bon compatriote haïtien Fresham, ancien sénateur Jacques Sauveur Jean Jacquito, li rentré dans 5m50 premier ministre Gary Conille. Oh, c'est pas ti causé, c'est pas ti déclaration, c'est pas ti causé Jacquito dit. Li même traité premier ministre de crocodile. Ou pral connait exactement dans qui circonstance qui ça veut dire pour lui. Et comme ça, nous prenons le gain pour nous faire commentaire ensemble. Jimmy Cherizier alias Barbecue fait gros démonstration force dans Port-au-Prince à gros âme fan froid dans main. Yo, la mégason, mettez pied à terre, cherchez intimider la police et pourquoi pas policier Kenya. Yo, compatriote haïtien Fresham, eh bien, Ramon Omil dit ça pour qu'on y ait pour lui là. Eh bien, Ramon Omil, eh bien, lui mettez pied la terre, sortant de là. Yo rive récupérer ministère intérieur que bandi vivent ensemble yo même t'ap contrôlé. Gen bandi vrai pas gen bandi, c'est l'état pas gen dans pays nous. Compatriotes haïtiens frères sœurs, nous pral partager avec vous vidéo comment situation li même li teye dans périmètre ministère intérieur rete connecté. Compatriotes haïtiens frères sœurs, nous pote en pile information pour vous déjà m'ap invité ou même qui fait tomber sur channel là pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification. Comme ça, vous pouvez être connecté avec nous. Vous ne pouvez pas rater aucune vidéo de formation. N'a pas gagné pour nous poster. N'a pas commencé l'émission aujourd'hui avec une information extrêmement importante. Je n'ai pas gardé là avec moi, dans le poste là, que l'ancien député de la République, député Jean-Robert Bossé, et lui-même l'y fait, compatriote Aïssé Fresham, pour le ramener à l'ordre. Et ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuy, a trouvé un petit gens qui débraillait, décolleté. C'est Jérôme Gel par un temps traité ministre de dévergondé. Eh bien, dans le poste si là, ancien député qui ça le dit, qui s'acte dans l'intention. Un peu de retenue, madame la ministre. Peut-être vous aviez bu un peu trop d'alcool dans l'avion. Cette posture affichée à côté et du sous-secrétaire d'État américain, Brian Nichols. Autant que les actes de corruption que vous reprochez à bon nombre de diplomates haïtiens est aussi répréhensible. L'ITAG, ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy, l'ITAG Gary Conille et l'ITAG sous-secrétaire d'État américain. Ancien député Gary et ancien député Jean-Robert Bossé, nous ouais, il prend le temps, il prend le soin pour entourer, décolleté et chemisier. Ministre des Affaires étrangères, là, côté pas boutonné, etc., pour le rappeler la l'ordre ou son ministre posture ça, débraille ça, ou pas supposé débrailler, décolleté comme ça. Mais le député Alvin fait postulat, là, eh bien, il y a des gens qui tout prêt pour y aller râler à chiffre député, pour y partager la paye, pour y montrer, mais les gens qui viennent faire la morale, en aller. J'en ai regardé là, compatriote Aïssé Fresham, eh bien, c'est député Jean-Robert Bossé, qui lui-même, dans la chambre député, dans l'assemblée qui t'a fait, député Ali prend le soin, il prend le temps, il retire soulier dans piel, il râle soulier, il mette le sous bureau, pour empêcher que séance s'en fait. C'est tout, la frappe soulier. Eh bien, zami sa yo qui retourne en vidéo, c'est pour yon poser député à question. Est-ce que comportement ça te gagne en lui-même? Est-ce que comportement ça li pas répréhensible? Est-ce que comportement ça député a te gagne, compatriote Aïssé Fresham? Est-ce que comportement, le moment ta fait action, ça le pas trouvé
moralité là-dedans, li pa twè, vous comprenez? Li pa twè bien séance là-dedans, li pa twè que c'est un député, son honorable député, li el pa dwe retire souliers nan pied, même l'el pa d'accord avec sa que t'a discuté, sa que t'es à l'ordre du jour nan assemblée ya. Li blye. Eh bien, moun ki vini avec Achivza yo, mes amis, c'est pas ti koze yo mette pour ancien député Jean-Robert Bossé. Yo ti jan, gen moun map gade nan kek commentaire. Yo di député oublié vite ou manger oublié député. Ou manger oublié ou pas ka vini là pour parler de moralité alors que ou te prend sang ou te prend ton ou retire un soulier dans pied ou pour frapper sur un bureau ou pas respecter aucun collègue député que t'es dans salle là dans séance dans assemblée ou pas respecter caméra la presse qui t'es là ou pas respecter qui ça le moun yo pral di ou pas cœur de bagaille comme ça. Mais journée jodi yo, comme yo dit l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, c'est décolleté ministre li wè. Mais pendant député en li fait remarque là compatriote Haïtien frère, faut moi dit non. Et malgré tout, faut nous quand même râler les oreilles en ministre, faut nous râler les oreilles parce que pas oublier où son ministre et surtout ses femmes. Ou qu'on est comment société matrissale fonctionne, comment société haïtienne fonctionne. Et yo toujours gen tendance, et depuis ces filles, yo toujours dou à femme, et femme c'est ci, femme c'est là, ba yo toujours ap chercher non seulement discriminer, rabaisser, yo toujours ap montrer femme yo gon certaine facilité avec femme tout bagay possible. Donc, y'a extrêmement important. Non prochaine occasion ap gen pour faire photo ve décolleté ou juste pour éviter genre de situation ça ou genre de débat ça yo nan mitan société alors que gen bagay ki extrêmement important que ministre lui-même li a réglé nan moment n'avancer compatriote ayisyen frère chèm n'avancer pa gen campé non et nous gagnons ancien premier ministre Claude Joseph et également chancelier haïtien Claude Joseph était ministre des Affaires étrangères. Eh bien, comme nous connaissons dans ce moment-là, Claude Joseph, li gagne un représentant en dedans du Conseil présidentiel transition, au même titre que RED, au même titre que compromis historique. Eh bien, hier jeudi, il a publié un communiqué, mettez dehors, et dans le communiqué, si là, il n'a pas raté l'occasion publiquement pour yo râler les oreilles ou bien pour yo ramener et à l'ordre conformément avec accord que yo te signé dedans conseil présidentiel transition pour yo dit premier ministre Garry Conille un ensemble de bagaille qui a passé là un ensemble de bagaille que yo a fait et bien qui pas mérité et non seulement pour yo a fait paquet et oui paquet et publicité pour lui mais tout qui pas mérité comme si pour gros paquet écho qu'a fait dans mi-temps et population c'est comme si yo t'a voulu dire premier ministre Garry Conille c'est one man show c'est Mathieu vu la fait tout ça et bien je n'a regardé là compatriote haïtien frère chèm dans communiqué si là que RED et avec et depuis et publié mettez dehors là y aura les oreilles ça qu'a passé en dedans gouvernement et surtout même leur ouvertement yo pas identifié ministre affaires étrangères là mais nous senti véritablement et yo pas fin trop content yo pas fin trop d'accord avec sa ministre lui-même l'a fait on nous garder avec moi ça qui dit dans communiqué si là par au prince le 27 juin 2024 la plateforme politique résistance démocratique RED prend acte des étapes franchies dans la mise en place du pouvoir de transition, dont le mandat se termine obligatoirement le 7 février 2026 avec l'installation de président de la République issu du suffrage universel. Donc, vous rappelez, Conseil présidentiel de la transition, tout premier ministre Garry Conille, le 7 février 2026, mandat a fini et supposé bon président élu qui prend pouvoir, qui gagne contrôle l'État. Vous continuez pour vous dire. Ne pouvant revendiquer aucune légitimité, ni dynastique, ni populaire, Conseil présidentiel transition, eh bien, yon gen seule et unique justification d'être que attachement yon, que attachement tout secteur politique yon dans consensus 11 mars 2024. C'est ça qui boussole yon, c'est ça qui base yon, c'est sous ça Conseil présidentiel transition, li même li prend naissance. Pour mémoire, mission
pouvoir intérimaire là li gagné c'est pour rétablir sécurité en dedans pays yon, organiser référendum constitutionnel et élection. Yo gen trois missions. Yo di pouvoir intérimaire Gary Conny qui la gen trois missions. Gary Conny gagné pour mettre sécurité en dedans pays yon, organiser référendum constitutionnel et élection. Ça veut dire qu'on ensemble de bagay yo senti yo wè k ap passé là. Claude Joseph ak tout Renal Liberation et des séries de bagay k ap passé là. Là yo pour comprendre, yo pour comprendre ça k ap passé là. Yo tande Gary Conny pral combattre corruption. Ou te gen mandat pour combattre corruption? Bon, et moun yo mette dans l'état t'a fait corruption yo même. Ou pral poursuivre yo tout. Donc, yo rappelé pouvoir intérimaire là que il gen trois missions là. Li gagne trois bagay pour le faire, mettre sécurité, faire référendum, organiser élection. Donc, nèg yo senti que Gary Conny li même li pralon jol, pralon boy, yo même yo pralon boy, yo pas fin trop d'accord. Dans un esprit de dépassement de soi, Red et ses partenaires ont proposé une formule inclusive où tous les secteurs, y compris ceux qui ont contribué à la rupture de l'ordre démocratique, sont représentés dans le conseil présidentiel afin de garantir la réussite du processus. Red attire l'attention des secteurs sur le fait que toute velléité d'autonomisation des représentants par rapport à leur secteur d'origine a d'autres fins que celles liées à la mission de la transition fait courir un risque au processus en cours. Là, yo voyo ti pinga. Un secteur météo ou rete seulement ou fait job secteur ou pas préoccupé ou de l'autre bagay qui a passé bien, n'a mette en péril tout processus qui t'est gagné, qui t'est en mer. De même, la résistance démocratique invite les membres du gouvernement à se garder de toute politique spectacle, notamment en ce qui a trait aux affaires sérieuses de la nation, nécessitant calme, sérénité et expérience. Même les Libyens vendent dans l'opinion, politique et spectacle avec dit fait paille maïs et cocotte avec figaro. Parce qu'elle n'est pas faite sous aucune base solide. Sera le corps, bon mettre mon pam. Le peuple mérite une vie meilleure et faisons le faisceau pour que plus jamais Haïti ne connaisse deux moments aussi difficiles de son histoire. Pour authentification, Renal Luberus, Claude Joseph, c'est Moun Sayo qui signe. Et communiquer si là pour te parler ouvertement, publiquement à ta premier ministre Gary Conny. Mais, compatriote Haïtien Frèchem, en dépit de tout reproche, en dépit de tout crit que moun sa yo ka montre yo gen, pas oublier premier ministre Gary Conny, compatriote Haïtien Frèchem, li même li vini là, li décide la contrôler pouvoir, la prend gâteau, c'est lui pour séparer gâteau. Regardez ces deux monde qui te gain temps, yo même yo te gain ta préparer pouvoir dans sens pa yo, j'ai pour le mettre moun dans administration, j'ai pour contrôler l'état. Eh bien, premier ministre Gary Conny contre toute attente, li vini li même li fait autrement. Et le fait que li fait autrement, c'est lui même qui décide, qui détermine ministère régalien yo li pa plaire yo nan mené porte moun zeli pour contrôler ba ça gen série de nèg ki pa digérer ba l'arrêté sous l'estomac nèg yo boue de l'eau pa descend tout ça yo prend li pa descend c'est comme si oh c'est pas quoi Jovenel Moïse qui coke nan gorge nèg yo vrai c'est pas son zo poison eh bien par rapport avec situation ça eh bien li extrêmement important pour yo ramener publiquement l'ordre premier ministre Gary Conny parce que c'est comme ça au moins absenti pour yo dire et population moi même pas fin trop d'accord avec ça qui a passé yo me pas d'accord avec ça qui a fait yo voilà mais qui ça reprocher mais comment yo comprendre bagarre là mais nous comprenons tout et même Claude Joseph Renal Luberus yo te onti jan hostile par rapport avec décision que ministre affaires étrangères là Dominique Dupuy la prend et nan question mandé pour gen audit nan mission diplomatique yo nan représentation diplomatique yo tout ça donc même nan situation ça compatriote Haïtien Frèchem nou ka comprendre leur a parler de politique spectacle c'est dit fait pas maï tout ça polémique ka fait est-ce que nous comprenons polémique ka fait compatriote Haïtien Frèchem Jean premier ministre Gary Conny lui même li te promettre li et que lundi et cap gè pour venir là faut qu'il y aller dans bureau li dans ministère intérieur et bien hier nous gè DG la police en Ramon Ormil qui mettait diverses unités dans la police là yo déployé sous champ de sans pas cacher dire compatriote Haïtien Frèchem t'es gè bagaille qui t'a fait sous champ de sans
en pile coup de balle tiré, yo rivé récupérer ministère là effectivement en bas griffe, en bas zone, en bas main bandi coalition gang vivre ensemble yo. Donc après nous te wè comment barbecue lui-même, li te foulé béton en paquet nèg gros am van voir nan men yo. Donc DG a dit, DG la police a mon nom, il dit vle wè pa wè intimidé, pas intimidé, n'a met sécurité, n'a met l'ordre dans des ordres. Mais gen bay qui est extrêmement important, compatriote haïtien franchement nous supposé qu'on est dans politique là, c'est que premier ministre Garry Conille là, la prend frappe, la prend coup. Et la prend à l'interne moun de yo ap takle l, moun de yo ap frape li. Et nous gagnons ancien sénateur Jacques Sauveur Jean-Jacques Itto qui lui-même et dans dossier politique vini premier ministre Garry Conille vini là, et bien Jacques Itto lui-même li pa fè PM nan kado, non, pa fè PM nan kado et kase mete nan men premier ministre Garry Conille et li di bagay yo sans filtre. Et premier ministre son crocodile, on va le comprendre qu'on est pour qui il déclarer que premier ministre Garry Conille son crocodile, il y a toute explication et c'est valable. Et on va regarder tendre ensemble avec moi intervention ancien sénateur Jacques Sauveur Jean dit Jacques Itto. Garry Conille c'est quand pour moi-même il y a un crocodile qui retrouvé le non lac. Donc il y a un crocodile non lac avec un pouvoir illimité n'importe poisson ou bien moun être vivant qui est dans la classe si crocodile là pas manger ou lik pas avlé. C'est dangereux. Puisque le gars il est arrivé avec un pouvoir que personne pas qu'à limiter la donne. Donc son crocodile qui est dans lac et dans lac ça a fait confiance si on être vivant si monsieur pas manger c'est lik pas avlé ventli qui plaît. C'est triste pour mettre un pays, pour soumettre un pays en forme de gouvernance comme ça, sans référence constitutionnelle, sans quoi que ce soit. Ça va le diriger là, comment va le diriger? Décision le fait, yo. Comment le fait, yo? D'après lui-même? Donc, moun ka diriger pays d'après vous-même? Nous gardons tout collège présidentiel. Thème fort, collège, ça fait majeur. Même ta dit préférence, aucune te garden présidentiel avec des enfants bi bon yo nan kouyo ou e jan ap rele depuis yo rele wa 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 et puis maman ba yo bi bon yo yo bois le lait tut 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 et qui te garden présidentiel ça pour amener Haïti qui côté son monde à l'envers esclavage cheval prince à pied puisque traditionnellement nous connait c'est président qui gen pouvoir ici et voilà que qu'on est à nous que c'est président qui a moins de pouvoir tellement il a moins de pouvoir il vient son kindergarten m'a dit collège son kindergarten présidentiel qui accompagnait donc crocodile en dans lac et qui plongeait la nation de Dessalines dans salier là sous les ordres des colons un fort petit camper là compatriote haïtien frèchem parce que m'pa konn si nous prend sens et métaphore que Jacques Itto lui-même li a bail là l'a fait là et Jacques Itto parle li pas aller petit même non avec Garry Conille li pas aller petit avec Garry Conille non c'est comme si m'ai impression tout ça qu'a fait là depuis Garry Conille vini et pour Jacques Itto c'est Garry Conille qui ça c'est responsable de tout ça qu'a passé là oui mais gon bagaille que nèg yo oublié que Jacques Itto toujours aimé dire classe politique là sont ensemble de pions yoyé nan men occident c'est ensemble de pions yoyé nan men États-Unis donc nan au niveau non l'autre c'est pas di Garry Conille son crocodile li gagne plein pouvoir nan moment là oui c'est vrai par rapport avec pouvoir de contrôle qui pa gen parlement pa gen ceci pa gen cela mais pa gen aucun côté nan constitution tout qui dit doit gon conseil présidentiel. On comprend pas aucun côté dans la constitution qui dit gon collège présidentiel, gon exécutif qui séparé en bois avec sept moun et puis après gon gouvernement etc etc. Tout ça qu'a fait là sont des ordres liés. Et Garry Conille qui vini là nan moment vini côté blanc voyé là. Si nous ka dire comme ça. Pas oublier
C'est même blanc ça qui créé conseil présidentiel transition. Et conseil président, au moment donné, tu es maintenant tête, tu as pris plein pouvoir. Là. Et c'est peut-être qu'on a ça que tu pas attendu que Occident, que États-Unis, tu as pris le bail, que même monde qui crée ou qui mette, tu as pris le bail puis devant. Donc, si Gary Conille, son crocodile, je ne dis pas, qui a plein pouvoir, c'est parce que si nèg tête grain nous, politiciens nous, nèg kap bataille pour pouvoir ici, yo pa jam met Haïti avant, c'est toujours intérêt yo, ouais, c'est toujours poche yo, ouais. Est-ce que nous comprenons? On avance. Comme le monde pral en guerre, ou du moins déjà en guerre, donc Haïti va définir, ou du moins c'est Haïti pral déterminer qui sera le vainqueur. Rira bien qui rira le dernier. À bon entendeur, salut. Donc vous pensez que Gary Conille pas en fait dans l'ignée là, ça va pas le mener un pays à quel côté? Non, non. Son chapitre dans un chapitre de tourment, dans l'autre chapitre de tourment. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle Gary Conille était déjà dans nos murs. Je me rappelle, il était là déjà. Italie, Jean Italia, il est revenu en sauveur. Mais cependant, il a débrouillé avec la même mission. Et moi-même, quand ça arrive, moi j'essaie de dire haïtien, je suis haïtien point de vue pas. Mais haïtien sont la chance que je prends pile précaution avec parce que je pas fini mais la vérité a sorti dans la bouche des hommes tant qu'on. Ils n'ont pas besoin de cette vérité et ça fait que, comme si je me disais, pas qu'à bon mentir, je dis aux gens, j'en lié. Il y a comprendre si vous voulez comprendre. Il y a well si vous voulez well, mais assez souvent, je me suis dit, je parle, je me dis, ah, Jacques, tu dis ça, c'est son prophète. Mais ce n'est pas prophétie, ma fait. Je ne pas quoi dans prophétie. Je ne dans calcul. Regardez bien, vous nous dans l'équation, ça qui a balancé là, si il n'est pas égal à samedi. Le danger est dans nos mains. Le travail pour la restauration de l'esclavage sur les peuples noirs va commencer encore à partir d'Haïti. La pétanie sous l'Afrique, peut-être que bon Dieu bon plan, mais ça s'annonce très mal. Ok. Il y a touristique nous gagne dans une là qui près nous, on va aller pour nous. Donc matin là, qui n'y a au rivier, ça dit c'est 400 policiers. Il y a 400 policiers. Et dans le moment où il y a une manifestation qui est là, il y a une information 5 personnes, et alors 5 Kenyans qui ont perdu la vie dans la manifestation. Donc, ce qu'on pensait arriver qu'il y a en Haïti? Moi, je pense que honnêtement, dans la démarche que nous avons entreprise pour la restauration de l'esclavage sur les peuples noirs, il y a fait un travail qui est extrêmement fragile. Parce qu'ils commencent à utiliser pour les nations haïtiennes, par exemple, et des nations africaines. C'est-à-dire que là, c'est l'intention de restaurer l'autorité du commandeur. Tu vois, le commandeur était noir, le commandeur était dur, mais le commandeur était toujours sous les ordres du patron qui est le colon. Donc, j'en suis plus que sûr que vous menez nous là, puisque nous ne devons pas arriver là. Mais une fois que nous là, maintenant, qui j'en nous pourrait connaître, qui j'en n'a pas sorti là, parce que nous ne pas arrêter là. Nous qui content, mais à Kenya arrivé. Kenya pour contre tout problème qui gagne. Même d'où l'idée d'avoir un commandeur fort avec moyens colons, fait de Kenya ou Kenyan. De commandeur, mais un petit passage histoire d'Haïti où tu as écrit phrase, on parlait du commandeur et on répétait le fait virgule, le commandeur était dur. Donc on va voir cette affaire de sécurité, cette affaire de bain de sang pour aller en Haïti, si c'est conseillé à bord des questions, l'Ipral fait objet d'un pile victime innocent. Comme c'est la volonté du colon, donc on va voir ce que ça donne.
Donc, je veux dire, là, 400 policiers kenyans, et à peine descendre, il y a panique de côté foyer des gangs. Donc, nous, on commence à faire parler, il y a qui commence à faire social. Ça va bien. Gang, Haïti pas de gens qui ont gang. Ni gang, yo, ni kenyans, ni la police nationale, ni l'armée d'Haïti, ils jouent des armes même côté. C'est-à-dire que c'est la mission, c'est le plan qu'il faut connaître. Ça veut dire que si les âmes pour le croiser, bon, les plus faibles, c'est eux qui connaissent. Mais je retourne sur cette phrase ça, et je dis tout le temps, nous n'avons pas qu'à compétition sans rival. J'attends toujours le bonheur. Il est urgent de ne pas se presser. M'attends toujours. Parce que il faut qu'on compétition. Et on ne peut pas faire une compétition sans rival. Ok. Mais qui sont pensés que tu as de fait, puisque vous là? Eh bien, vous là, il n'y a pas entraîné. Puisque il y a une différence entre match championnat et match entraînement. Il y a une compétition, tôt ou tard, en Haïti. Ça veut dire, il y a un affrontement entre. Il y a une compétition, il y a quand même une compétition en Haïti. Ça ne va pas arrêter comme ça. Ok, mais qui sont pensés qu'à éviter ça, là, qu'on y a? Trop tard. Nous pouvons aller vers lui. Oh. Nous pouvons aller vers lui. Le monde doté d'un bande de dirigeants fous. C'est-à-dire okay. que les hommes les plus forts de ce monde, ils sont face à une maladie qui est les folies. Puisque ça, plus simple, ils peuvent entendre sur eux, ils disposer, ils décider qu'ils ne sont pas capables. Donc, dit-on qui dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il n'est pas respecté. Non, c'est de garder. L'homme a gardé Joe Biden. L'homme a gardé. Macron, l'on a regardé l'attitude de Vladimir Poutine. Ça veut dire que c'est un agressé l'autre, mais regardez où est son bon pays qui est doté d'armes nucléaires et puis qui a monté millions sur l'autre. Et l'arme nucléaire, c'est vrai qu'il a détruit des millions de monde en une seconde. Donc regardez où est que son bon dirigeant fou, qui n'a pas pris la vie de monde bon, hein. Et étant donné que c'est bon Dieu qui a un médicament, mon sao, que la volonté de Dieu soit faite. Bon, nous connaissons ces gens d'habitude pour identifier le problème, ou rapidement, et bagnon en idée qui a mené à une solution. Mais là, nous, c'est un coup pour même bagnon qui nous soit. Le parti des artistes et des paysans a fait une proposition en trois points. L'existence, la mise en place d'un gouvernement de transition d'un gouvernement d'unité nationale qui a bien pour une grande mission, non tant coûte, et introduction dont constitution se référant sur la constitution de 1805 okay. et passer aux élections, mettez en place des hommes de caractère et prendre le destin de ce pays en nous, le rapatriement de notre souveraineté nationale. À qui veut l'entendre? Yes. Quel que soit le monde qui écarte samedi là, et voilà, chapitre après chapitre, tout le monde jusqu'à la fin. Puisque, ou pas qu'à bailler un pays, ou pas qu'à défaite Baptiste ou Timoun l'Elfin fait. On a tout une constitution qui était là, là, nous te prend indépendance. Nous, c'est Baptiste, nous. Constitution, ça, c'est lui-même qui dit qu'est-ce qui papa, qu'est-ce qui maman, qui date tout est fait, qui compte tout est fait. Ça, on va qu'à changer. Donc, il faut se référer sur cette constitution de 1805 et apporter faire des ajouts et puis mettre au diapason avec l'évolution du temps et puis trouver des hommes de caractère parce que caractère, c'est pour moi avec petit. Grand-papa me dit qu'on dit ça. Pour un caractère fort cas, ou pas qu'à genoux pour parler de caractère. Donc les hommes de caractère, ils sont très rares en Haïti. Mais si vous regardez bien, mon petit musique que je fais depuis longtemps, j'ai 12-13 ans, je n'ai pas la nation, je me dis ça. Nous ne pouvons pas mettre ni droite ni gauche, nous sans les marcher pieds à tête si nous ne pouvons pas prendre mesure. Ça veut dire qui ça? Si vous ne pouvez pas sauver, ça veut dire que vous ne pouvez pas souffrir, vous ne pouvez pas mis sous nous. Et pour gagner des goûts de l'amour.
Nous sans l'air ouais côté la tête tremblé, m'a kembe même moyo. Nous petit Christophe, petit Capois, petit Jean-Jacques et toutes les autres. Faites attention. Nous on rapporte en tout peuple, nous on patrie pour nous défendre. Moi, on clair à tout le monde, pas un job. On pas chercher job. C'est la raison pour laquelle que m'a posé problème pays. Et faut ouais tout que me pas fin trop dangereux pour personne. Puisque au fond, on pas nèg qui gon bouteille dans même pour vous voyez. On pas un nèg qui violent. Mais ça m'a dit nous là, si nous pas tenir compte de lui. Ça nous voilà au coin, ça n'a pas garde là. C'est honteux, ça fait peur. Mal, mal. Ça... Une fois que tu copies là, parce que moi, je suis souvent à garder, je suis souvent à attendre et intervention Jacques Toyo. Jacques Toyo, à chaque fois, il y a une chance d'intervenir sur le problème paysan. C'est comme si Jacques Toyo d'une solution paysan, c'est structure politique là. Pas da, c'est structure politique là, c'est ligue formule là toujours sur en base retourner et dans racine nous retourner dans la constitution 1805 là et cetera et cetera. Mais jodi an là, côté paysan yé là, dans situation nous yé là, dans kafou nous yé là. Gros ensemble d'acteurs politiques, compatriotes haïtien frères chum, qui yo même yo te gagné pouvoir nan men yo. Yo te genye moyen à la disposition yo. Yo te genye ensemble de garantie nan men yo. Mais yo pas de jambe faire jouer. Tout ça yo genye jounen jodi a comme vision, comme perspective, comme plan, comme projet pour Haïti. Pa yon fwa pas de jambe tande yo. Pa yon fwa pas tande goumen bataille pour rétablir la constitution 1805. Ou bien pour prélever en dedans constitution 1805 là tout ça qui t'est ca bon tout ça qui t'est ca dans intérêt nous tout ça qui t'est ca peut-être protéger nous contre occidentaux yo. Au contraire c'est même yo même qui cherchait avantage qui cherchait profit qui tirait avantage de tout ça occidentaux yo à l'époque yo t'ai gagné comme projet de plan sous nos peuples haïtiens sous nos pays mais journée jodi an yo dehors pouvoir yo pas dans pouvoir et ou senti c'est comme si c'est unique possibilité unique chance Haïti a gagné pour le sauver pour le rapatrier souveraineté c'est seulement avec structure ça avec structure Jacques Toyo c'est comme si c'est comme ça Jacques Toyo vend nous idée a vend nous idéologie a vend nous parti on pas dit que gè un ensemble de bagages Jacques Toyo dit là qui sont vérité même le la baili il toujours aimé et parler en daki etc. Vous comprenez, il va parler droit, il va parler clair, mais si vous comprenez, si vous cherchez, si vous analysez, vous comprenez ce que ça dit. Le laborde que les premiers ministres sont crocodiles qui n'ont lac puisque pas de contre-pouvoir, les cafés fait sale, les décider je vais faire sale plutôt OK, nous comprenons. Mais journée jodi an responsabilité nous gen la chaille qui sous do pays an c'est pas moment pour gen tac au tac c'est pas moment pour gen pam pi bon c'est moi pi bon etc. C'est moment pour ensemble tout monde qui gon vision commune pour retirer en bas griffe occidentaux yo ta supposé faire tête collé mais non chaque monde nan bois par nan coin par dit c'est pas yo pour passer nous pense pays a jambe bon l'ange Jacques Toyo ça nous là pour quoi il connaît ça l'a parlé il connaît ça l'a dit an. Ça nous est là pour courir parce que moun ki di yo ka retire Haïti côté li a là yo youn pa vle mete tête ensemble vrai yo chaque nan bo pa yo vle se projet pa yo se plan pa yo se lik pou passer bien nous pourquoi nous pourquoi sorti dans sa ni là nous pourquoi ka avancer au contraire c'est bac n'a fait c'est dans trou n'a rentré puis mal on va se ça fait peur ça c'est honteux de voir des haïtiens embarqués dans démarche pour le rétablissement de l'esclavage sous une forme quelconque. Nous avons des gens qui étaient toujours qu'on a battu bras, vous parler, bah et tout ça, mais dans dernier moment là, nous parlons de nous faire rien, tant qu'on arrive et gars connu, personne pas dire rien, Kenya ou pas être là, c'est tant qu'on c'est ça tout qu'on attend. Ben c'est ça, ils sont fatigués, ça veut dire qu'ils sont maintenant à bout de souffle. Ça veut dire qu'ils sont café avec une sécurité côté qu'ils ont mis du feu sous femme. Wow. Ils sont café côté que leur prend petit tout matin mou. Ils sont café leur ouvert toute fenêtre pour m'ado quitter pays parce que nous besoin aller nous besoin pays mais nous pas besoin. Ils sont café leur maintenant un découragement total pays lock 3 mois. Ils sont café leur arrivé point ni opposition ni monde qui sous pouvoir mettre ensemble ils font kindergarten présidentiel.
et où est tout nèg impliqué. Personne ne va pas dire mieux balade. Tout nèg dans Kindergarten. Vous dites personne, mais est-ce qu'on pense que Philippe là dans tout? Comment il t'a fait pour le balade? Ou pour nous, ou bien nous, après le jour, match, et puis il y a des grands joueurs qui sont banc. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui qui va le monter, faire dernier goal. Haïti, ça, c'est un monde malade. Un bon monde que nous ne pouvons jamais comprendre. Moi-même, c'est ça qui fait ma tante, le bonheur toujours. Puisque je vais regarder des nègres qui me comprennent, qui ont des positions nationalistes, des nègres qui me comprennent, qui étaient haïtiens, je dis à même moi, tout, dans le monde. Le bonheur dans le monde, il y a beau aller. Moi-même, pas capable, dans l'âge moi, après j'y on ne vit qu'une fois. Si je ne vais pas me faire déjà, si je ne vais pas le faire, mais ma priorité, nèg que mien, hein, fils de Dessalines, je ne vais pas faire autrement. Je ne suis pas content de recevoir, après me traverser Cafou en moi, si je me fais différemment que lui-même. Gary Conny, c'est que pour moi-même, voilà, compatriotes haïtiens frères chum, nous sommes dans bon timamite. Tout détail que Jacques Sauveur Jean, ancien sénateur, a lui-même dit à bail et perception sous façon Gary Conny a mené l'État. Gary Conny qui a plein pouvoir, non mais il a tout pouvoir. Il a assimilé premier ministre qui ont crocodile. Nous connaissons Jean Crocodile violent. Nous connaissons Jean Crocodile pas manger rien frais compatriote haïtien frères chum. Le nom lac réellement d'ailleurs li nan lac là l'a attaqué poisson l'a attaqué toute bête qui inférieur à lui-même allez voir pour moun ou ta gen malchance ou al croiser avec un crocodile ou bien crocodile là on a regardé dans vidéo comment ça fait et souvent États-Unis moun ki rete bon lac etc. On a regardé vidéo on a regardé crocodile qui a quitté lac là pour prendre direction rentrer Cameroun etc. Là on va venir manger attaquer ti moun manger ti moun moun touye moun etc. Ça veut dire l'œil du premier ministre l'assimilé avec crocodile li nou là c'est même gens. Mais nous gagnons professeur Michel Soukan qui te dit dans des termes et beaucoup moins, on comprend beaucoup moins fâcheux, beaucoup moins agressif que Jean et Jacquito Laguilla. Parce que professeur Michel Soukan lui-même dit premier ministre Gary Conny il a un ultimatum devant lui. Si ultimatum l'an passé, si Gary Conny pas arrivé par résultat et d'ici 2 mois qu'a venir là pour rentrer des classes, nous pral ouais est-ce que Gary Conny te gain volonté ou bien est-ce que Gary Conny était sous bluff? Michel Soukan il y allait lui-même, vous comprenez, pilantement, il y allait avec moins agressivité. Mais Jacquito vient il rentre tête camion, boum, il rentre sous Gary Conny. Parce que là il dit clairement Gary Conny son crocodile. Gary Conny a tout pouvoir dans mêle. Si Gary Conny pas ba résultat, eh bien n'a déjà qu'à comprendre qui job li vinn fait, qui ça vinn fait, qui ça l'a continuer, qui agenda il te gagner. Donc, compatriote haïtien frère chum, a tort ou a raison. Et approche Jacquito yo, approche Jacquito yo, yo sensé, yo fondé, mais nous toujours aimé dil. Nous toujours aimé dil. Acteurs politiques, des hommes politiques qui ont même yo passé dans l'État, qui ont même yo te ge possibilité pour changer donné, pour changer bagay, yo pas fait rien, journée jodi an, yo pas ka. Yo pa ka continuer à venir véhiculer des messages comme quoi c'est yo gen formule là c'est yo ka faire alors que yo té nan pouvoir yo pa de jamais faire rien et c'est ça qui beaucoup plus dérangeant c'est ça qui réellement remonte en pile moun. Est-ce que nous comprenons bien n'avance premier ministre Gary Conny compatriote haïtien frère chum li continue voye pinga ba yon nou wè li Jimmy Cherizi alias barbecue coalition gang vivant ensemble nan yo nan la rue gros am fan frère nan men yo a fait show comprendre y a montré autorité yo a chercher intimider la police et pourquoi pas et nèg genya yo si yo comprendre si yo a chercher sur réseau haïtien yo ka wè véritablement qui ça qui vivent ensemble nan gros am ki nan men yo tout ça donc quelque part coalition nèg exam yo même nan façon pa yo a chercher installer terreur là. Et surtout après que déjà la police en Ramonormil mettait en déroute dans ministère intérieur. Eh bien, Gary Conny, qui lui-même lui a pris la parole, compatriote haïtien frère chum, non seulement il continue à voyer pinga bay bandi yo,
li continue à sermenter, le pral marcher, le pral attaquer bandi, le pral restaurer autorité de l'État. Mais fois ça, premier ministre mande support chaque grain haïtien. Li mande support chaque grain haïtien dans bataille contre insécurité, dans bataille qui supposé aboutir contre gang yo pour nous arriver rétablir la paix et sécurité dans pays. On va entendre garder ensemble avec moi. Intervention premier ministre Garry Conille qui lui-même il t'a posé on le fois encore problème pays. Même le nous impression bah yo très difficile, yo très compliqué. Quelque part nous-mêmes haïtiens nous réunis, nous mettons tête nous ensemble et puis nous joignons une solution. Nous travaillons avec partenaires nous et puis nous avançons. Notre pays est en train de vivre un moment excessivement complexe. Depuis plusieurs années, les gangs contrôlent 80% de la zone métropolitaine. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école en paix depuis des années, parce que la moitié de notre population est en insécurité alimentaire. 500 000 personnes sont déplacées. Je regardais aujourd'hui la carte d'une partie de la ville, elle est désastreuse. J'ai hérité d'institutions étatiques qui sont excessivement fragilisées. Nos cadres sont démoralisés. Il y a des ministères qui n'ont pas, même pas de local pour se réunir. Mais au milieu de tout ça, les groupes politiques se sont réunis et ils ont pu trouver un accord. Des mouns qui des années à Goumen, des années à bataille, qui parlaient même vision, qui parlaient même idéologie, ils ont réuni et puis ils ont dit, moment excessivement grave. Faut entendre nous, faut nous jouer une structure pour nous gouverner le pays, pour nous sortir le pays dans sa rue. Et des organisations ont supporté un processus qui a donné 9 membres du conseil présidentiel. 9 membres ont réuni en studio, ils ont discuté, ils ont entendu son premier ministre qui parle de nous. En moins de 7 jours, conseil présidentiel, ça avec premier ministre là, arrivé formant un gouvernement. Pour un pile d'autres pays, c'est pas grand chose. Mais pour Haïti, c'est un pile. C'est la preuve de la volonté et de la compréhension que le moment est particulier. C'est ça qui nous donne un peu d'espoir sur la vie. Malgré accomplissement ça, les défis sont encore très, très grands. Énormes même. Il y a 100 000 embûches. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles nous risquons pas arriver côté de l'hiver. Si nous pas tenu compte du fait que au centre de la démarche, il y a les Haïtiens. Et c'est sur ça que nous devons miser. Alors, le matin, il y a une réunion du Forum national des organisations de la société civile. Je n'ai pas qu'à résister pour me la ramener. Parce qu'en fait, le succès de l'entreprise de la transition ne peut même pas se concevoir sans l'implication continue de la société civile, des jeunes et des femmes. Einstein, il te dit, la folie, c'est leur refond même bagaille plusieurs fois et vous pensez qu'on va joindre un résultat différent. Et pas première crise, non, c'est pas première fois. Sur les 30 dernières années, m'a rentré dans la salle ça pour me faire réunion. C'est certainement pas la première fois que n'a vienne ensemble pour nous voir qui ça nous va le faire pour nous capable sortir pays à dans salle hier. Et c'est probablement pas dernière fois, mais fois ça. Moi-même ça me damain ouais, c'est que forum ça m'a dit tête lui. Qu'est-ce que nous allons faire différemment? Comment nous allons approcher bagaille là? Qu'est-ce que nous avons appris des 20 dernières années? Comment nous pouvons assurer nous que forum ça non seulement les créer comme une plateforme mais les jouer rôle les contribuer les aider à assurer deux bagages que un vision aspiration population désir population plus large là les effectivement prise en compte et particulièrement on a parlé de femmes à jeunes les effectivement prise en compte et reflétée dans toute décision que l'équipe transition a fait. Mais deuxièmement, et ça a tout aussi important, la joue un rôle de relais pour l'expliquer aux populations, hein, des décisions qui, des fois, pas évidentes, pour aider les populations à comprendre que nous parlons
dans le bon sens. À travers le monde et à travers l'histoire, je dis, il est largement reconnu qu'il n'y a pas de succès réellement si 50 et plus % de la population n'est pas effectivement représentée dans tout le processus. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec CPTA, nous roulons pile pour une bonne représentation de femmes et de jeunes dans le gouvernement. Nous pouvons jamais même presque arriver côté moi-même, nous t'arrivons arriver. Et nous connaissons beaucoup plus pour nous faire. Nous avons mesuré le succès au fur et à mesure à l'autre décision que nous prenons dans le gouvernement. Parce que son nécessité pour jeunesse là, avec FAMIO, représentée dans sa cap fête là. Maintenant, avec Forum ça, nous croyons que nous avons joint un interlocuteur excessivement intéressant pour nous continuer la discussion et pour continuer à rappeler l'engagement que nous prenons pour nous réussir ensemble. Nous sommes conscients des défis immenses auxquels nous faisons face. Et entre autres, l'insécurité, les inégalités socio-économiques, les crises environnementales. Chacune de nos actions doit refléter la pensée centrale de ce nouveau gouvernement qui entend multiplier les espaces de discussion interhaïtiens sur cette transition politique et sur les grands chantiers tels que définis par l'accord du 3 avril. Ces chantiers doivent être de toute évidence source de débat entre le gouvernement et les citoyens et de recommandations en vue d'une meilleure cohésion de l'action gouvernementale. La participation des femmes et des jeunes aux échanges sur la restauration de la sécurité, sur le lancement du processus électoral, pour le renouvellement du personnel politique est évidemment fondamentale. Je dis, nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité, sans pas accompagner par les jeunes, parce que quelqu'un en pile fois détourné pour faire au fait, ça n'a pas de fait. Je dis, nous ne pouvons pas parler remettre camper l'économie, sans nous pas accompagner les femmes qui n'ont pas jamais bouqué travail, ni tout si nous ne pouvons pas créer moyens pour faciliter les jeunes joindre financement pour réaliser l'idée business sur gain. Je dis à nous pas parler sous question conférence nationale avec révision constitutionnelle sans femme avec jeunes plus passer moitié population. Je dis à pour l'État fonctionner comme ça doit et pour la justice blaye nous pas fermer les yeux nous sous toute qualité violence femme actifs yo a subi. Tout ça pour montrer nous femmes et jeunes, c'est pilier transition. Aussi, je vous invite à continuer à vous mobiliser, à exprimer vos idées et vos préoccupations, à être ouvert au dialogue et à travailler main dans la main avec le gouvernement. Je suis convaincu, chers amis, que ce forum représente aussi un effort remarquable de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souligne l'importance de la participation politique des femmes et des jeunes, notamment la résolution 1325, qui a mis l'accent sur le rôle crucial des femmes dans la prévention de la résolution des crises. La résolution 2250, qui reconnaît l'inclusion des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux. Je salue donc cette initiative des organisations de la société civile qui joue un rôle déterminant en tant que pont entre le gouvernement et la population, en tant que gardien de nos valeurs démocratiques, voix des sans-voix, défenseur des droits de l'homme et catalyseur du changement social. Ce forum, supporté par plusieurs institutions internationales, constitue un point d'ancrage national à travers une organisation nationale, le VDH, qui promeut la participation accrue des jeunes et des femmes dans le processus politique de transition en cours. Je salue tout aussi bien l'engagement continu de MINU, des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, de l'OEA, de l'Union européenne, de tous les partenaires internationaux à soutenir les efforts des autorités haïtiennes et de la société civile. En terminant, je dis aux jeunes et aux femmes de mon pays qu'ils ne sont pas que seulement que l'avenir d'Haïti, ils sont le présent d'Haïti. Non pas seulement parce qu'ils représentent chacun dans sa catégorie plus de 50% de la population, mais parce que leur rage de vaincre l'adversité est une source d'inspiration pour celles et ceux qui dirigent le pays et un message national et international qu'Haïti vaincra. Voilà. Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, nous attendons Premier ministre Gary Conille, dans prise de parole, qui posait problématique et jeune femme et jeune garçon, petit monde, grand monde a subi dans la société par rapport avec et agression, gang, agression, bandit, a fait dans la population. Volonté, il dit que
conseil présidentiel transition mélangé avec gouvernement là des séries de monde qui pas jamais entendu qui d'horizon politique divers qui saté à gauche saté à droite yo t'ai toujours à bataille ensemble journée jeudi à remettre tête sur ensemble attendez bien yo t'ai qu'on a bataille ensemble journée jeudi à remettre tête sur ensemble entre guillemets pour yo chercher une solution pour problème pays. Donc pour premier ministre Gary Conille yo sous bonne voie et li mande journée jodi an implication chaque grain haïtien. Nous tous ces haïtiens, nous ta ramen un pays nous avancer, nous ta ramen une stabilité retourner dans pays an. Et bien premier ministre te prend engagement, li pral rétablir sécurité kay pa kay, quartier pa quartier, ville pa ville de dans pays an, mais pour ça arriver fait, pour ça arriver possible, c'est implication nous chaque comme moun, nous chaque comme haïtien pour nous aider à rétablir la paix et sécurité en dedans pays an. Mais cependant premier ministre Gary Conille dit un bagage qui est important, qui est extrêmement important. En dépit du fait que chaque grain haïtien, nous gagnons une obligation qui se campe de défendre l'intérêt. Nous avons une obligation, journée aujourd'hui, pour nous faire tout ça nous connaît, tout ça qui dépend de nous pour payer nous marcher, pour payer nous fonctionner. Mais dirigeant ça, autorité ça, qui dans l'État, conseil présidentiel transition. Yo même yo gon obligation de résultat alors que nous même dans mitan population nous gon obligation de moyens pour nous faire tout ça nous connaît pour nous et nous là pour nous payer taxes nous là pour nous payer impôts mais nous pas capable combattre gang nous pas capable combattre insécurité nous pas capable combattre bandi c'est job l'état pour combattre bandi c'est job autorité l'état c'est job la police c'est job l'armée pour combattre insécurité en dedans pays là nous songer et té gon époque. Et la police nationale d'Haïti te gon slogan j'ai ouais bouche parler. Vous comprendre pour aider la police nationale et démanteler gang yo, démanteler bandi yo mais journée jodi an. Si Ramon Amil ta vina avec un nouveau slogan comme ça j'ai ouais bouche parler. Et est-ce que réellement n'a pas parler? Est-ce que nous connaît qui policier? Est-ce que nous connaît qui policier nous parle parler? Est-ce que nous connaît qui policier nous parle ba information? Est-ce que nous connaît statut policier? Est-ce que nous connaît si sont bon policier, si sont mauvais gé, si sont mauvais gang, si la gang c'est la travail pour gang, nous pas connaît. Donc journée aujourd'hui on pense que premier ministre Gary Conille, gouvernement, conseil présidentiel transition, yo mande population trop. Yo mande nous trop. Sérieux oui. Oui nous doit impliquer nous, oui nous doit bataille etc. mais yo mande nous trop. Nèg yo mande nou trop. Journée jodi a pa aucun nèg k'ap vin la nan pouvoir k'ap di yo pa konnen a ki sa pou yo te yo t'ap kal rentre tèt yo. Yo pa konnen a ki sa yo t'ap attend. Yo pa konnen ki sa te deja devan yo. Donc m'rete kwè nan moment nou ye la et peuple haïtien nou pa ka continue a mande yo fè. C'est nous qui pou fè kounye a. C'est le gouvernement pour faire, c'est le conseil présidentiel qui pour faire, c'est nous qui pour assumer responsabilité nous pour nous arriver mettre la paix, mettre sécurité, combattre gang dans le pays. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, nous gagnons et ministre affaires étrangères Dominique Dupuis et qui lui-même lui a participé dans la 54e assemblée ordinaire à l'Organisation des États américains dans le pays Paraguay. Côté que li te font intervention. Intervention si là, il y a pile moun ki bat bravo pour Jean-Ministre li poser problème pays devant international. Donc il est extrêmement important pour nous attendre ensemble, pour nous regarder et qui ça qui réellement suscité engouement par bon côté en paquet haïtien suite avec intervention ministre affaires étrangères là Dominique Dupuis. On nous regarder étant ensemble. Monsieur le président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre, à un niveau ou à un autre, à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette Assemblée générale, il nous revient donc de prendre des engagements impérieux visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région, et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs. Encore, l'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration.
Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repères, un quotidien incertain, livrés à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, l'instabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et asphyxié nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ces secousses. Pourtant, à Port-au-Prince, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquetis des dominos se devine dans les quartiers où le bruit des armes s'est tu. Les files d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le balai des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Ces signaux, timides et fragiles, nous encouragent et nous obligent. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interfois, un moment inédit de rassemblement national est né, dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élections pour le renouvellement du personnel politique. C'est désormais autour de ces grands axes que doivent s'articuler nos partenariats avec la région, le temps de la transition. Excellence, conscient que tous nos pays sont en proie au fléau de la criminalité transnationale qui a des répercussions profondément négatives sur nos sociétés, le gouvernement haïtien s'attellera sans compromis à la lutte contre la corruption, contre le trafic des armes, le trafic des personnes, le trafic d'influence et le trafic illicite des biens culturels. Il organisera la mise en place d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société haïtienne et de sa diaspora. La restauration de la confiance et de la solidarité entre les citoyens est une pierre angulaire de la reconstruction du pays. Cette confiance ne saurait se dessiner sans la prise en compte de l'état de traumatisme aigu qui mine chaque Haïtienne, chaque Haïtien. Confronté à des actes de violence, au cataclysme, à la faim, au désespoir, le deuil a longtemps semblé être le dernier dénominateur commun de la population haïtienne. Nous tous portant, malgré nous, le poids de pertes indicibles, pertes de l'enfance, pertes de l'innocence, pertes d'une maison, du droit à l'éducation, de proches et de parents, du droit à l'identité, de l'espoir, perte de sens. Cette lourde taxe psychosociale atteint particulièrement les enfants et les femmes. Il nous revient, à l'ère où nous osons à nouveau imaginer une relance, à l'heure où nous pouvons affirmer avoir échappé de près au basculement dans le vide, de penser à eux, d'accorder dans tous nos projets la priorité aux mécanismes de soutien psychologique, d'encadrement pour les victimes de viol et d'accès à la justice, de réinsertion pour les mineurs enrôlés dans les gangs, d'appui aux adolescentes devenues mères malgré elles. Il nous revient d'avoir, en leitmotiv des chantiers d'État, l'objectif de penser ensemble les plaies béantes que nous maquillons pour rester debout. Cette transition est donc aussi le moment d'enclencher un exercice de thérapie collective, nécessaire à la solidité de toute fondation institutionnelle. Un exercice dans lequel votre soutien sera le bienvenu. Conscient des pertes majeures encaissées par le secteur économique haïtien à toutes les échelles, nous comptons briser le cycle de croissance économique négative qu'Haïti connaît depuis 2019. Dans nos échanges ici et tout au long de cette transition, vous m'entendrez articuler au nom d'Haïti des invitations à l'investissement. Vous proposer des engagements afin de retenir et fidéliser nos partenaires commerciaux, de contribuer à la création d'emplois,
de soutenir les petites et moyennes entreprises, de revitaliser l'économie en exploitant les ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine des arts, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Conscient aussi que plus de 5 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, remédier à cette conjoncture est un pari qu'avec vous, nous pouvons et nous devons gagner. Nous le devons à cette jeunesse haïtienne qui, loin de vouloir se heurter aux dangers des parcours migratoires ou à la brutalité de l'exil, a soif de contribuer à l'avancement de son pays, de rester sur sa terre pour laquelle elle garde un attachement viscéral, au sein de laquelle elle voudrait rester apprendre, travailler, investir, s'épanouir, rester vivre dignement chez elle. Mesdames et messieurs, il y a environ 48 heures, les autorités de la police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois, il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti. C'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées. Tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape, nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certain en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. Dans l'idéal si noble qui anime la Nuestra America de José Martí, ma démarche ici transcende un appel à l'aide adressé à nos voisins de la région. Elle représente une invitation, une main tendue aux combites, cette chaîne traditionnelle de soutien fraternel, de solidarité mutuelle dans l'effort afin de récolter ensemble la stabilité et la paix régionale. Nous vous invitons à vous camper aux côtés d'une Haïti décidée à être à nouveau forte, car l'histoire nous a appris que nos triomphes ont toujours été mis au bénéfice de tous nos frères et de toutes nos sœurs de l'humanité. Chers voisins, arrivés d'une capitale criblée et meurtrie, je voudrais vous confier ici le murmure de l'espoir, vous dire qu'il existe à nouveau le crépitement de la vie. Depuis quelques semaines, il émerge une audace fragile, mais tangible, de toute la population haïtienne, qui aspire à transformer l'espérance en nouveau dénominateur commun, décidé à réaliser l'impossible encore une fois. Je vous confie ici la force des Haïtiens qui savent que l'expression de notre culture, de notre identité, de notre essence est et sera toujours un acte de résistance, un pied de nez à la terreur. Comme ces artistes qui dansent encore à Port-au-Prince, altiers, puissants, qui semblent exorciser la douleur qui pèse sur tout un peuple. Comme eux, il nous revient aujourd'hui de regarder en face et ensemble les causes et les perpétrateurs de nos malheurs et de les éradiquer à jamais. Merci, merci en pile. Voilà, compatriotes haïtiens frères chums, c'est comme ça, ministre affaires étrangères, Dominique Dupuis, lui-même, il a intervenu, il a exposé problème haïtien, il a exposé et tourment qu'a brassé bien société haïtienne et moun k'ap couri qui était caillou pour bandi, moun k'ap couri k'a victime babal bandi, ti moun qui pas à l'école, viol k'a fait sous femme actifi et ti et mineur k'a tombé enceinte et involontairement. Donc c'est une situation véritablement qui très critique de ça n'a vivre de quotidien nous ça n'a subi, ça n'a passé en dedans et pays. Mais si nous avons bien, si nous avons essayé de comprendre très bien la démarche de Dominique Dupuis, c'est mandé la mandé avec l'État membre de l'UEA.
soi-disant voisin nou yo, soi-disant zanmi nou yo, et pour yo bay Haïti en coup de main, pour yo aider Haïti sorti tête li en bas de l'eau, ça parce que nous pas capable sorti pour kon nou, nous pas capable avancer pour kon nou, situation vin plus difficile, et chaque fois n'a essayé sorti en bas de l'eau, c'est comme si bon moun ki kembe nou la derrière kou kap forcer nou rentrer, kap peser nou rentrer. Donc pendant gen appel qui continue à fait par bon côté acteurs internationaux yo et pour vinn ba Haïti en coup de main pour vinn aider nous sortir dans sa nouye là gon bay ki extrêmement important remarqué. Gon bay ki extrêmement important. Hier compatriote Haïti c'est vrai ça et nous gagnen ministre et justice sécurité publique là Carlos Hercule hier li rencontré avec et ambassadeur américain de Nyankins, li rencontré avec représentant et OEA en Haïti Cristobal et Dupou. Donc rencontre si la yo le m'a gande objectif rencontre là ça yo di yo parler sous ça yo t'a discuter débat c'est sous question élection cadre légal pour élection c'est sous causer référendum c'est comme si n'a gande là oui faut que élection qui fait oui faut que et faut que nous retournions à l'ordre constitutionnel mais m'a gande véritablement là parler de États-Unis à OEA qui est en la guerre de l'anté concernant la question élection dans pays là ha dit tout c'est comme si nèg yo assuré yo vini yo voyer force multinationale là yo voyer Kenya est en atterri yo a fait des démarches pour cadre légal mettez campé pour yo commencer avec tout processus électoral. Alors que yo dit pour élection fait faut que sécurité, c'est comme si Kenya qui là, c'est en apparence de sécurité yo vle ba nous pour yo aller pour yo laguer adelante vers les élections. Cadre légal pour élection mettez campé. Pas de problème faut que élection fait. Mais cadre légal ça compatriote haïtien frère, qui est-ce qui pral dicter garde ligne yo? Pas oublier dans moi qui saute passé yo, nous te gagne représentant permanent et représentant permanent Union européenne à tout représentant OEA qui au même yo té al chita parler avec secrétaire général OEA Luis Almagro côté que yo t'a discuté de qui ça de cadre légal c'est comme si m'ai l'impression nan jou k'ap gen pou vini la yo nan prochain mois k'ap gen pou vini la yo nèg yo ka atterri avec katabyo en babra yo la et puis yo di men kad legal pou élection fait nous te besoin faire référendum changer constitution mais ça doit gagner nan nouvelle constitution parce que poko Gary Conny gouvernement Gary Conny la poko gen aucune démarche yo annoncé poko gen aucun communiqué aucune prise de décision qui fait pour dire à population pour informer population mais qui ça pral fait dans question référendum dans question élection pousser dans bouche étranger pour attendre rencontre Union européenne rencontre OEA etc. yo rencontrer entre eux avant yo venir rencontrer avec ministre justice et puis yo dou cadre légal élection et parler de référendum parler de ceci parler de cela kounya même qui soit dit tout. C'est comme si nèg yo gon marché pressé, c'est comme si yo gen tan wè ki yes yo pral ba nou comme prochain président, comme prochain élu en dedans pays. Veye compatriote haïtien frèchèm. Veye compatriote haïtien frèchèm. Parce que m'gen impression bagay yo pa douce, bagay yo pa gou non, bagay yo pa. Et pas blague non. Compatriote haïtien frèchèm, kozé yon pile dans la coupe pays d'Haïti et surtout dans question politique là. Donc gagne en pile réaction qui gagne en pile réaction qui sorti par bon côté et divers acteurs politiques et hier et André Michel partisan ses partisans André Michel yo si yo te joine mettre l'homme gagne pression yo tape toc toc tête mettre l'homme bien toc toc parce que mettre André Michel manger courage yo. Oh oui, mais Michel mange courage militant, il pas payer militant. Donc il y a des réactions et politiques. Mais cause André Michel là, il pas vraiment de grand intérêt. Intérêt nous journée aujourd'hui, c'est ça qui a passé en dedans conseil présidentiel là, c'est décision qui a prend par bon côté acteur yo. Dans commencement émission nous ouais comment Red, comment aider, comment Renal Duberus, comment et Claude Joseph yo même qui position ouverte, c'est comme si ouvertement yo a cherché corriger des démarches, a cherché corriger premier ministre Gary Conny. Donc nous pas connait qui ça monsieur rien dans tête yo, mais nous est vraiment violon yo pas accordé, nèg yo pas arrivé entendre yo sous Jean Gary Conny lui-même
présence Gary Conny dans l'opinion publique là, un ensemble de déclarations premier ministre a fait nous. Et ben c'est ça notre premier ministre, tout le gouvernement. C'est Gary Conny, c'est Dominique Dupuis, c'est ça c'est eux même qui actif non ensemble de décisions qu'a pris nous, c'est diffé par Marie. Donc au cas senti ça qu'a passé en dehors du conseil présidentiel transition avec gouvernement. Donc là, et dans les jours à venir, compatriotes haïtiens frères et sœurs, n'a pas comprendre, n'a pas voir réellement est-ce que et gon harmonie réelle entre différents acteurs si là. Cela n'a metté en bout dans émission pour aujourd'hui, hein. C'est un véritable plaisir pour nous te porter information si là pour vous. Restez connecté à channel là pour cette programmation, hein. Rendez-vous à casser dans l'autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la vallée, nous bras le pays.